presentación. Está entre nosotros Bernard Sieg. Es el encargado de la mediación digital de la Biblioteca Pública de Pompidou, de la BPI. Anteriormente también bibliotecario responsable de la mediación digital en la Biblioteca del Val d'Europe y responsable de Bibliotheque 94, también de la Biblioteca Temática del Val de Marne, del Consejo General del Val de Marne. Formado en la Escuela Superior de Aplicación de Estructuras Territoriales en la Universidad Nanterre de París y en el Lycée Chaptal de París. Muy recomendable también su blog Bibliobsesión, que bueno, algunos tenemos el vicio de seguirlo por ahí, y es a raíz de ese blog donde hemos sabido de él, y a partir de ahí es donde lo hemos captado para que viniera ante nosotros y nos pudiera presentar un poco los trabajos que hace y un poco la vía de la mediación digital que propone. Merci d'avoir venu, d'être venu. Hay que deciros también que antes teníamos otra persona hace tres semanas nos avisó que no podía, entonces hay que agradecerle especialmente al señor Mercier que haya aceptado con esta premura el venir aquí. Merci, merci pour cette invitation. Merci beaucoup pour me permettre de parler ici. Je remplace donc mon directeur, le directeur de la Bibliothèque publique d'information qui avait été invité ici et qui n'a pas pu venir. Je ne vais pas parler à sa place, je vais parler d'un sujet qui le préoccupe beaucoup et qui nous intéresse évidemment de manière... plus global dans les bibliothèques. Alors, ma présentation portera donc sur la médiation numérique, puisque je suis donc chargé de médiation numérique à la Bibliothèque publique d'information. Il me semble qu'on parle beaucoup de curation, hein, en bon français, de content curator. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ce concept-là, qui me semble être un mot nouveau sur quelque chose d'assez ancien, même si les outils sont tout à fait nouveaux et impliquent une démarche de projet qui est nécessaire dans les bibliothèques. Alors juste pour préciser également que je parle du point de vue des bibliothécaires, mais que je pense que ces concepts et ces démarches de médiation s'appliquent à beaucoup d'autres intermédiaires que les bibliothécaires, qui sont des intermédiaires parmi d'autres. Je vais commencer par me présenter en fait. J'ai effectivement un blog sur les bibliothèques qui s'appelle Bibliobsession, dans lequel je fais beaucoup de veille et j'essaye de réfléchir à l'avenir du numérique et à l'avenir des bibliothèques dans un contexte numérique plus globalement. Voilà, et je fais pas mal aussi de content curation à propos des bibliothèques sur Twitter, où vous pouvez me suivre également. Alors, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est donc de cette question de la médiation numérique et de ce qu'elle recouvre, et surtout en la présentant non pas comme un ensemble d'outils, un catalogue d'outils, mais bien comme une démarche de projet à mettre en œuvre dans les bibliothèques. Donc, j'aborderai les choses en plusieurs points. D'abord, il me semble important de définir de quoi on parle, et puis ensuite donc de lister différents types de dispositifs. Vous allez voir que je parle beaucoup de dispositifs, au sens où tout ça a à voir non pas seulement avec la création de contenu au sens journalistique, mais aussi, hein, vous l'avez vu dans le cours précédent pour les quelques mots que j'ai compris en espagnol, avec la notion de filtre et la notion de diffusion d'informations. Donc on va parler en fait de trois types de dispositifs. D'abord les dispositifs techniques, ensuite éditoriaux et ensuite interactifs. Voilà. Bon. Il me semble important de partir d'un élément principal, c'est celui de la curiosité. Hein, dans le contexte des bibliothèques,
on se situe dans un lieu qui est d'emblée un lieu dans lequel les usagers viennent pour chercher de l'information, mais viennent aussi en fait pour être stimulés en quelque sorte par un bibliothécaire qui va proposer des contenus. Et c'est bien ce qui change en fait dans la notion de bibliothèque, puisqu'on est passé d'une bibliothèque qui est un lieu d'accès à l'information, puisque l'accès à l'information était une rareté auparavant. Aujourd'hui, l'information est partout. Ce n'est donc plus l'accès à l'information qui est rare, mais c'est bien le temps d'attention qu'on peut consacrer à ces informations. Du coup, il devient extrêmement important de pouvoir parler non plus d'accès à l'information, mais peut-être d'expérience de l'information. Et c'est en ce sens-là qu'une des tendances un peu importante des bibliothèques aujourd'hui, c'est de se transformer non plus simplement en lieu de stockage, elles n'ont jamais été strictement, mais en tout cas la tendance à l'aménagement et au confort et à l'expérience de la bibliothèque me semble tout à fait intéressante. C'est en ce sens que nous réfléchissons à l'évolution de la bibliothèque publique d'information. Et vous voyez ici l'exemple de bibliothèque nordique, dans lesquelles c'est une bibliothèque qui est à Amsterdam. Qui n'est pas à Amsterdam et qui est dans le nord, la ville est indiquée voilà, sur le slide. Et donc dans cette ville, vous voyez que la bibliothèque est un lieu d'accueil, un lieu d'expérience. Pour autant, il me semble que ça ne suffit pas à faire des bibliothèques un lieu qui sera encore fréquenté à l'avenir et qu'il faut en fait pratiquer une médiation active. Et quand je parle de médiation numérique, je ne parle pas seulement d'Internet, mais vous allez voir qu'il est extrêmement important d'arriver dans un projet à articuler en fait un acte de filtrage de l'information, de conseil, de recommandation en interne, dans le lieu et en extérieur en fait. Et on verra juste après que la notion d'identité numérique est extrêmement importante pour savoir qui parle et donc qui est celui qui va recommander de l'information. Autre exemple de cette bibliothèque qui se transforme en parcours d'information, c'est l'exemple de la bibliothèque du Val d'Europe où j'ai travaillé, où nous avions mis en place une scénographie des collections. L'idée était justement de proposer un parcours guidé dans les formations. C'est une première forme de curation, si on veut, ou de médiation en tout cas. Et l'idée, c'était bien de transformer l'expérience de la bibliothèque et de recommander, de propulser, j'emploie aussi très souvent ce terme, de propulser le bibliothécaire comme propulseur d'information. Alors tout ça, ça peut paraître un petit peu des slogans, mais on va voir qu'en fait, il y a une démarche assez organisée à mettre en place et qu'il n'est pas si compliqué de devenir un propulseur, en l'occurrence. Le mot d'ordre, un petit peu le leitmotiv que je répète souvent par rapport à cette question des contenus, c'est un mot d'ordre qui pourrait s'appliquer à tous les intermédiaires culturels, en quelque sorte, qui serait celui d'être là où l'usager passe. Et on va voir très concrètement ce que ça veut dire. Il s'agit non plus de faire venir seulement l'usager sur le site de la bibliothèque ou à la bibliothèque, mais de lui rendre un service qui va enrichir son expérience du web. L'important dans tout ça, c'est de miser en fait sur des nouvelles compétences. Alors désolé, effectivement, les slides sont en français, mais il s'agit de nouvelles compétences qui concernent la littératie numérique. À savoir le fait de pouvoir, en tant que bibliothécaire, maîtriser non plus simplement la recherche documentaire, mais aussi justement toutes ces compétences d'orientation dans les contenus, de synthèse, d'agrégation. Et ça, ce sont des compétences qui sont très largement utiles au-delà des bibliothécaires. Encore faut-il que les professionnels de l'information, pour élargir au-delà du cercle des bibliothécaires, y compris d'ailleurs les professeurs ou les journalistes, doivent être capables de synthétiser et de restituer une information, d'être de bons filtres. C'est tout à fait important et ça passe par des formations qui ne sont pas aujourd'hui extrêmement développées. Alors, une fois tout ça posé, qu'est-ce que c'est que la médiation numérique pour moi ? C'est un outil, mais un dispositif qui peut être de plusieurs natures, il peut être technique, éditorial ou interactif, et qui favorise non pas simplement l'accès à des informations, mais surtout l'appropriation de ces informations, puisque le propre de l'Internet, c'est qu'à partir du moment où on diffuse une information, elle peut être remixée, elle peut être réutilisée, elle peut être repropulsée en quelque sorte.
Donc les bibliothécaires doivent favoriser cette dissémination de l'information via donc des dispositifs qui sont à la fois internes et externes à la bibliothèque en tant que lieu. Et tout ça pour des objectifs qui sont des objectifs non pas marchands, hein, comme les marques peuvent développer des animations de communauté à des buts marchands, mais des buts de formation, d'information et de diffusion des savoirs. Voilà, c'est une définition un peu formelle, mais il me semble important de la préciser parce que la notion de médiation peut avoir beaucoup de sens, et il me semble que dans ce contexte précis, il s'agit voilà, d'un ensemble de dispositifs. La question essentielle, hein, évidemment, celle que tout le monde se pose et celle qu'on se posera de plus en plus aujourd'hui, c'est celle-ci. Si on se met à la place d'un usager ou d'un internaute lambda, hein, bien en dehors des bibliothèques, la question qui se pose, c'est celle-ci. Je suis intéressé par un sujet. Quels sont les sites? Quels sont les blogs? Quelles sont les personnes à suivre sur les médias sociaux, sur mes centres d'intérêt? Et ça, c'est la question principale à laquelle il nous faut répondre. C'est extrêmement compliqué de répondre à cette question quand, en tant que bibliothécaire, soi-même, on n'a pas expérimenté une démarche qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire je sélectionne des sites et je commence à propulser de l'information sur une thématique. Alors, ça, c'est la question principale. Pour commencer à vous montrer qu'il y a différents dispositifs qui donc favorisent cette médiation numérique, commençons par les dispositifs techniques. J'entends par dispositif technique des dispositifs qui ne supposent pas d'intervention humaine intellectuelle à chaque fois. C'est-à-dire il y a une intervention humaine qui installe le dispositif et ensuite ça fonctionne de manière automatisée. J'aime bien citer cet exemple qui propose, vous voyez, une page Amazon dans laquelle on est vraiment dans le concept de, enfin dans, même plus que dans le concept, dans le dispositif donc de proposer l'accès là où l'internaute en a besoin, à savoir je suis sur la page Amazon d'une notice de livre et j'ai accès automatiquement à l'information, savoir si le livre est présent ou pas dans la bibliothèque. Pour moi, c'est déjà une forme de médiation parce qu'on a fait l'effort de s'adapter au point de vue de l'usager qui a besoin au moment, non pas où il va aller sur le site de la bibliothèque parce qu'il aura déjà fait la démarche de chercher, mais au moment même où il recherche l'information. Voilà. Ceci dit, ce genre de recommandation est à la base en fait, du modèle économique du plus gros acteur du web aujourd'hui, qui est Google, qui est vraiment dans ce segment, dans cette démarche de recommandation. Il y a une expérience qui avait eu lieu il y a quelques années, en fait, que j'aime bien citer aussi, d'un internaute en fait, qui était informaticien et qui s'était placé du point de vue de l'usager, qui s'était dit « qu'est-ce que je peux faire comme projet informatique innovant qui montre mes compétences à propos des bibliothèques ?» Et il avait proposé exactement ce service-là, à savoir « je suis sur un site marchand, sur un site qui affiche une notice et j'ai accès à l'information ». Vous voyez qu'on est déjà dans le fait de proposer un service qui favorise une médiation entendue aussi hein, donc comme rencontre entre une offre et une demande de contenu. Autre concept tout à fait important dans cette notion de médiation de contenu, c'est la sérendipité, hein, que vous connaissez peut-être comme terme, et qui signifie en fait, grosso modo, chercher mal et trouver bien. À savoir, donc, plus on propose de rebond, hein, c'est la notion de rebond, de recommandation, et plus on va pouvoir découvrir des choses qui sont intéressantes. C'est à la base de la navigation hypertexte sur le web également. Alors cette sérendipité, elle peut paraître comme ça un petit peu anecdotique, en fait elle est tout à fait essentielle, notamment parce qu'on est passé à un autre modèle économique, celui de la longue traîne, exploité notamment par Amazon. Et la longue traîne, qu'est-ce que ça signifie? Sur cette courbe ici, vous voyez un marché culturel, et vous voyez une partie jaune qui est une partie... qui est la partie en fait, où les produits sont très nombreux et peu achetés ou peu accédés en fait. Qui s'oppose donc à la partie rouge de la longue traîne qui est les best-sellers, les livres les plus lus, les plus recommandés. Et un marché culturel ressemble pratiquement toujours à une courbe qui s'exprime comme ça.
Ce qui est nouveau avec Internet, c'est que évidemment, on est passé à un modèle où on peut exploiter cette longue traîne. On peut exploiter commercialement la partie jaune, ce qui a une conséquence importante pour les bibliothèques en particulier, c'est qu'elles n'ont plus le monopole de l'accès à la rareté des documents. Puisque sur Amazon aujourd'hui ou sur un site de libraire en ligne, vous avez accès à des centaines de milliers de références. Ça, c'est pour l'aspect commercial, mais ce qui est intéressant, c'est que cet aspect commercial a provoqué, en particulier chez Amazon, la démarche de justement rentrer dans un cycle de recommandations tout à fait essentiel à l'exploitation de la longue traîne. Hein. Vous voyez, si on découpe une page d'Amazon, qu'on est en permanence dans la recommandation de contenu. Voilà un dispositif qui est un dispositif marchand et qui, pour moi, est un dispositif de médiation. Voilà, ça peut donner ensuite un schéma qui peut s'exprimer comme ça dans un cas un petit peu idéal où on part d'un produit extrêmement populaire et ensuite on va descendre le long de la longue traîne. Autrement dit, il y a aussi une vertu en quelque sorte de démocratisation ou en tout cas une vertu purement culturelle de cette question de la recommandation. Hein, c'est démontré d'ailleurs depuis les années 50 par des sociologues que le meilleur vecteur de transmission de la culture, c'est pas les bibliothèques, mais c'est le bouche à oreille entre amis. Et donc on est dans une sorte d'industrialisation de ce bouche à oreille. Évidemment, la question qui se pose d'emblée, c'est celle-ci, c'est comment est-ce qu'on suscite des parcours dans la longue traîne des ressources de la bibliothèque, et même au-delà, comment est-ce qu'on suscite des parcours intéressants dans les contenus du web d'aujourd'hui. Alors pour prendre l'exemple hein, toujours des catalogues de bibliothèques, on a un dispositif technique qui le permet, qui est basé sur l'historique des emprunts. Donc là, on est sur du paramétrage, en quelque sorte, de la navigation qui va proposer en plus des logiques documentaires d'accès à des documents, des logiques d'usage de ces mêmes documents. Hein. C'est parce que d'autres personnes ont emprunté ce document que je vais être incité à y accéder. C'est des logiques qui sont critiquables et qui sont aussi paramétrables en fonction d'un certain nombre de critères. Là où on rentre dans le dispositif plus éditorial, c'est avec cet exemple d'une bibliothèque qui propose une recommandation humaine faite par le bibliothécaire à l'intérieur du catalogue. Et là, on est dans le conseil, on est dans la reproduction de ce qui se fait donc, en termes de bouche à oreille dans les bibliothèques ou dans les lieux de conseil plus largement. Tout à fait essentiel également en termes de dispositifs techniques de miser sur le mobile aujourd'hui puisque vous savez comme moi que c'est une des principales voies d'accès à l'internet et ça sera certainement une des voies d'accès majeures aux données. Là en fait on sort de la notion de site internet et on rentre dans la notion de réalité contextuelle. Hein. Et c'est vrai qu'on a eu souvent tendance dans les bibliothèques à mettre des lieux ou des ordinateurs dans la bibliothèque pour chercher l'information. Aujourd'hui, en fait, on est en train d'inverser la démarche, puisque au moment où je vais avoir besoin d'informations, ce n'est plus le moment où je cherche le document, mais c'est le moment où j'ai déjà le document dans la main et j'ai besoin d'informations sur ce document pour m'aider à choisir. C'est très, très significatif de l'inversion qui s'est faite de la rareté vers l'abondance. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est plus d'accéder à l'information, c'est de faire un choix dans la multitude d'informations. Les mobiles peuvent tout à fait être utiles via des dispositifs de passerelle, hein, on est toujours dans la médiation technique, qui peuvent être des QR codes, hein, par exemple. Il y a d'autres types de dispositifs. On peut penser à des QR codes qui envoient de l'information depuis les livres vers donc, le mobile de l'internaute. On peut aussi penser à des QR codes qui permettent de... donc là, c'est un générateur de QR codes, mais on peut penser donc à des QR codes qui permettent de prendre note du catalogue de la notice bibliographique qui est sur l'écran. Voilà. Donc, en fait, il est tout à fait... intéressant de voir comment l'information qui était stockée dans la bibliothèque doit être contextualisée à l'intérieur même de la bibliothèque. Hein. C'est aussi cet exemple d'une borne qui est une borne RFID et qui fonctionne avec donc les équipements, les puces qui sont maintenant installées de plus en plus souvent sur les livres. Voilà pour des dispositifs qui sont des dispositifs
purement techniques, qui sont pour moi tout à fait essentielles et qui viennent aussi s'articuler à des dispositifs qui sont des dispositifs éditoriaux. Alors ces dispositifs éditoriaux, c'est un enjeu important, puisque si on parle d'édition, on parle de création de contenu, et quand on parle de création de contenu, on doit parler d'un projet à l'intérieur d'une bibliothèque ou hein, plus largement d'une organisation. Et ce projet, comme tout projet, il doit avoir un certain nombre de réponses à ces questions hein, qui sont qui parle, quelle est l'organisation, comment est-ce qu'on s'organise pour produire des contenus, qui les produit, comment ces contenus sont diffusés. On voit bien hein, d'ailleurs ici que les outils ne sont que, en quelque sorte, la dernière étape et supposent toute une organisation préalable. Il est également essentiel de comprendre que ces dispositifs éditoriaux, hein, le fait de créer des contenus, c'est un élément parmi d'autres d'une stratégie de diffusion d'informations sur Internet, par exemple. Ce qu'on a appelé hein, l'activité des animateurs de communauté, c'était justement, c'est toujours l'idée d'accompagner hein, la diffusion de contenu. Et donc on ne part pas simplement de la création d'un contenu, mais il y a plusieurs étapes supplémentaires. En premier lieu, peut-être le positionnement. Ensuite, la diffusion des contenus, et vous le voyez ici, en fait, on va petit à petit constituer une communauté qui va s'intéresser au contenu qu'on a produit, proposer des retours, proposer des choses complémentaires, et au final, en fait, créer un cercle vertueux autour des contenus qui ont été proposés. Alors ça, c'est encore un schéma un peu théorique, mais ça suppose en premier lieu que les bibliothèques et les producteurs de contenu aient ciblé un sujet sur lequel agir pour pouvoir parler de médiation au sens éditorial. Si on représente de manière pyramidale ce que peut signifier un projet de médiation numérique, on arrive à une image qui ressemble à celle-ci, et vous voyez que les outils sont pratiquement absents hein, de ces différentes étapes. En réalité, ils sont que des moyens de proposer en fait, des contenus eux-mêmes issus d'une stratégie et d'un positionnement qui fait en sorte que les bibliothèques, comme les musées, comme la plupart des institutions culturelles, doivent se transformer petit à petit en médias, en quelque sorte. Et c'est l'idée d'une bibliothèque média qui se développe. Vous voyez que sur cette pyramide, hein, on part de pourquoi, donc du sens hein, qu'on veut mettre derrière l'activité de médiation. Et ensuite seulement, on va décliner les différentes étapes, avec en particulier une étape qui est fondamentale et sur laquelle on va s'attarder un petit peu, qui est celle de répondre à la question « qui parle ?» Qui parle quand on est sur Internet et quand on est une organisation, quand on n'est pas un individu spécifique qui a eu la liberté de choisir son avatar et son pseudonyme? Comment est-ce qu'on organise cette identité numérique institutionnelle des organisations qui agissent sur Internet? Précisons ici que nous avons quatre possibilités différentes que je vais préciser par la suite. Et une, je vais y revenir, mais une des principales confusions qui existent aujourd'hui quand on commence à agir sur Internet en tant qu'organisation, c'est la confusion entre la médiation et la communication. La communication, on est dans l'image d'une institution, l'image d'une marque, l'image de quelque chose de collectif qui n'est pas facilement lié à une médiation et une recommandation qui est la plupart du temps personnalisée, personnelle sur Internet. Autrement dit, quand on commence à ouvrir une page Facebook en tant que musée, que bibliothèque, institution, ou ouvrir un compte Twitter, on est dans une communication de l'institution avec son public, mais on n'est pas dans la médiation, parce que la porte d'entrée principale, c'est l'institution, donc ça suppose que les gens qui sont sur Internet ont eu connaissance ou sont déjà intéressés par l'institution. Là où on va vraiment commencer à
remplir des objectifs qui vont au-delà de la communication, c'est quand on va se positionner en tant qu'identité proche, plus proche d'un média, comme ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Autrement dit, il faut d'abord en quelque sorte devenir des propulseurs, se positionner comme un propulseur, se positionner comme quelqu'un qui va recommander, choisir son sujet, et seulement ensuite miser sur une reconnaissance de la visibilité de l'institution. Or, le plus souvent, la démarche est inverse, c'est-à-dire qu'on mise sur les médias sociaux pour avoir une plus grande visibilité, alors qu'en fait, on va s'adresser au mieux par de nouveaux moyens à un public qui fréquente déjà le lieu dans lequel on travaille. Voilà, si on détaille un petit peu la présence en ligne officielle, hein, l'identité institutionnelle, on est véritablement dans un acte de communication qui est tout à fait légitime, hein, il ne s'agit pas de dire que c'est inutile. Hein. Par exemple, voilà, la BPI, on a positionné notre page Facebook, la Bibliothèque publique d'information, qui s'adresse donc uniquement aux usagers. Donc c'est là qu'on va mettre des choses en lien avec le lieu, la vie du lieu, et on ne va pas s'adresser aux gens qui ne fréquentent pas la BPI et qui du coup ne sont a priori pas intéressés par les informations qu'elle propose. Même chose pour Twitter, si on veut utiliser Twitter et utiliser le potentiel de réactivité et de temps réel lié à Twitter, c'est tout à fait essentiel pour des questions liées à la vie de l'établissement, mais ça ne va pas forcément être un média de recommandation sur un thème perçu comme très intéressant d'emblée. Élément essentiel aussi, quand on commence à investir ce canal de communication, il est important de répercuter la présence en ligne, donc sur le web, dans les lieux même de la bibliothèque. C'est ce qu'a fait par exemple cette bibliothèque en communiquant sur le fait qu'elle est sur Facebook. Et on voit bien là qu'on s'adresse aux gens qui fréquentent le lieu, et ça peut être au-delà un petit peu quand même de l'outil de communication, un outil de feedback sur les services qui permet donc d'améliorer la relation aux usagers, mais va difficilement au-delà. Là où ça commence à devenir plus intéressant en termes de médiation, c'est quand on positionne la bibliothécaire, et non plus la bibliothèque, comme un propulseur de contenu. Et c'est ce qu'a fait hein, cette bibliothèque de l'école de commerce de Lille, qui propose, vous voyez, un profil qui ressemble à celui-ci, avec un avatar qui est choisi, qui est organisé, et une compétence liée à cet avatar. Là, on voit qu'on est d'emblée dans des codes d'usage du web qui sont extrêmement proches de ceux qui existent en dehors des institutions. Et on peut donc positionner et travailler sur le lien, non pas de la bibliothèque vers l'usager, mais plutôt de la personne ressource qu'est le bibliothécaire, du conseil qu'il peut apporter, des compétences en orientation dans les contenus qu'il peut avoir par rapport aux usagers. Il est extrêmement facile, une fois qu'on a organisé une identité numérique de ce type-là, de la décliner sur les différents médias sociaux, sans évidemment se reposer à chaque fois la question, mais d'utiliser en fait la palette des médias sociaux. Et il me semble que sur le web aujourd'hui, on doit penser avant tout service plutôt que de penser outil. Et on a eu beaucoup trop tendance dans les organisations culturelles en particulier à penser à des outils, à organiser des sites internet, à investir énormément d'argent dans des systèmes d'information, alors que sur le web aujourd'hui, comme on va le voir un petit peu après, on est capable de rendre des services à très peu de frais et de manière efficace. Voilà, c'est un autre exemple d'un musée, un musée d'histoire naturelle qui se trouve à Toulouse et qui a donc décliné toute son équipe avec des avatars spécifiques. Voilà pour un type d'identité. L'autre type d'identité qui me semble intéressant, c'est celui du média, où là on est moins dans la personne que dans le positionnement donc thématique qui va nous donc permettre de faire de la recommandation en ajoutant au fait d'être une bibliothèque un élément essentiel qui est d'avoir des sites qui soient lisibles sur les thématiques et non plus un site institutionnel. Vous voyez ici, hein, c'est l'exemple de la bibliothèque de Chassieux qui a décliné des blogs sur lesquels elle n'apparaît pas en tant qu'institution, mais qui sont des blogs de recommandation de lecture en l'occurrence, ou encore, là c'est de lecture juste avant, c'était pour la musique.
ou de recommandations pour des internautes, pour le jeune public. Et on voit bien hein, que ici, on est d'emblée dans la thématique et beaucoup moins dans l'institution, y compris graphiquement. Autre exemple à plus grande échelle qui me semble tout à fait intéressant, c'est l'exemple des bibliothèques de Montréal qui ont proposé un site qui s'appelle SOS Devoirs et qui est explicitement destiné donc, aux enfants qui veulent faire leurs devoirs et qui doivent avoir des recommandations de bibliothécaires. On voit bien ici qu'on est dans un média qui se positionne même pas sur un thème, mais sur un besoin documentaire. J'ai besoin d'être aidé pour faire mes devoirs et j'ai besoin de recommandations fiables. Voilà un moyen tout à fait intéressant de le proposer. La bibliothèque de Lyon, en France, a proposé une sorte d'écosystème de sites. Et à partir du portail principal, on accède à des sous-sites thématiques qui sont donc spécifiques, qui sont ciblés. On est vraiment là sur une tendance de fond hein, du web d'aujourd'hui. Si on pense à un média hein, bien en dehors des bibliothèques comme le Huffington Post, on voit très bien qu'il ne s'agit pas d'un site avec une page d'accueil, mais d'une myriade, d'un écosystème de sous-sites thématiques, chacun adapté à des centres d'intérêt spécifiques. Et on voit bien donc l'importance de la communauté de niche sur des sujets dans lesquels plutôt le bibliothécaire doit s'insérer. Autre exemple encore, hein, celui de l'université de Nice. Et souvent, les universités ont tendance à s'adresser aux étudiants de manière globale ou à leur proposer des rubriques dans un site principal. Ici, l'idée, c'était de faire de la recommandation en fonction des filières, puisque, évidemment, dans le cadre d'université, les besoins documentaires sont extrêmement bien identifiés. En l'occurrence, il s'agit d'une université médicale avec donc des blogs qui correspondent aux besoins des infirmières ou des futurs nutritionnistes qui vont donc être intéressés évidemment par des recommandations ciblées. Élément essentiel aussi à comprendre, c'est quand on parle de création de contenu, on ne parle pas forcément de rédaction d'articles au sens journalistique, ni même de petits articles. Hein. On peut tout à fait souligner le fait qu'il faut varier les formes de contenu. Et c'est à mon avis un des enjeux d'être créatif hein, en tant que professionnel de la médiation, en quelque sorte, sur ces différentes formes, avec, vous voyez, non pas seulement un article, mais aussi des recommandations, des bibliographies, des critiques. Hein. On va voir quelques exemples ensuite d'outils qui sont particulièrement bien adaptés à une médiation ciblée, efficace, précise sur un thème spécifique. Si on parle des bibliothèques au sens plus large, j'aime bien citer cet exemple comparant hein, le oui-oui de la littérature. Hein, oui-oui, c'est ce personnage qui dit tout le temps oui et qui est tout le temps content, par rapport en fait à l'ensemble du web où les critiques littéraires sont extrêmement engagées, sont impliquées, sont subjectives, et on a tendance, nous, en tant que bibliothécaires, à propulser uniquement l'information qui nous semble intéressante. Et il me semble que c'est un enjeu aussi ça pour le fait d'être un filtre, de faire de la médiation, c'est est-ce qu'on va avoir tendance à faire uniquement de la recommandation de choses exceptionnelles ou est-ce qu'on va avoir un avis critique sur ce qui est recommandé? Est-ce que ce qui est recommandé a un label de qualité en quelque sorte? Et comment est-ce qu'on se positionne en tant qu'individu par rapport à ce problème? On voit bien hein, que les bibliothécaires en fait deviennent des journalistes et que les journalistes deviennent des bibliothécaires. C'est une tendance qui me semble tout à fait importante puisque les bibliothécaires prennent conscience de l'importance de la veille et de systèmes d'information efficaces et les bibliothécaires inversement prennent conscience de l'importance des contenus, de la production des contenus et de leur diffusion. On est vers une convergence hein, qui n'est pas sans poser pas mal de questions. Si on essaye de synthétiser ce que pourrait être une fonction de quelqu'un qui serait médiateur numérique, hein, je ne parle pas d'animateur de communauté, je parle de médiateur numérique, ces différentes fonctions,
ça pourrait être d'élaborer les identités numériques propres à l'institution, de définir en quelque sorte la stratégie, non pas uniquement digitale, mais la stratégie de médiation de l'établissement, hein, en prenant en compte la question de comment on articule une médiation numérique, purement numérique, à une médiation dans les lieux, dans un lieu, voilà. Et puis une fonction d'accompagnement, de veille et de formation pour les collègues qui doivent intervenir. La grande limite hein, des animateurs de communauté, c'est le fait qu'en général, ils sont tout seuls à s'occuper de l'interface avec l'ensemble du public auquel les organisations s'adressent. Il est à mon avis essentiel disséminer dans l'organisation cette fonction d'animation de la communauté. Et le médiateur numérique ne doit, à mon avis, être là que pour expliquer, accompagner, dynamiser, mais surtout pas pour faire à la place des gens qui sont les plus proches des contenus. Autrement dit, donc, tous les bibliothécaires ou tous les enseignants, en quelque sorte, on pourrait aussi dire, doivent-ils être informaticiens ? Évidemment que non. Par contre, tous les bibliothécaires ne doivent pas donc non plus être des spécialistes des médias sociaux. En revanche, les bibliothécaires doivent tous être des propulseurs sur leur contenu propre. Qui de mieux placé que quelqu'un qui constitue une collection, qui sélectionne des documents papier, peut aussi donc propulser des contenus sur le web. C'est ce qui me fait dire que le bon médiateur, en quelque sorte, est d'abord en fait quelqu'un qui sait bien veiller sur un sujet précis. Et ce qui manque aujourd'hui dans les formations de bibliothécaires, mais encore une fois bien au-delà, c'est comment est-ce qu'on propose une méthode pour se constituer un environnement de veille. En général, on sait accompagner à la recherche documentaire, on sait proposer quelques outils, mais il nous manque à chaque fois une démarche qui associe les outils aux sources et qui propose non pas seulement qui propose de cibler un domaine et de constituer voilà un dispositif de veille sur ce domaine. Et j'irai encore plus loin, à partir du moment où on forme des professionnels à la veille, il faut aussi les former à la propulsion de cette veille et donc intégrer toute la chaîne en quelque sorte du choix de la thématique jusqu'à la recommandation des contenus auprès d'une communauté d'intérêt. Autrement dit, il faut donc disséminer des bouquets de liens, proposer des sélections, et ça, il y a des manières plutôt intéressantes de le faire aujourd'hui. Hein. Je pense à un outil comme Peer Trees, que vous connaissez peut-être, qui est un outil qui représente des sites web, des parcours de navigation sous forme de cartes heuristiques qui ressemblent donc à des perles qui peuvent se recomposer pour constituer voilà, des grappes recommandées. Et la question de la médiation, elle est donc pas seulement une question de création de contenu, mais une question d'interface et de la manière dont on va proposer ces contenus. Je peux citer un autre exemple hein, qui est plus propre aux bibliothèques, mais c'est l'idée, vous voyez, de géolocaliser des guides de voyage, par exemple, pour les proposer. Donc on propose une collection, non plus sous forme d'une base de données avec une recherche documentaire à effectuer, mais sous forme d'une interface qui est la plus attractive possible. On pense souvent, on oublie à mon avis très souvent, un outil qui est tout à fait essentiel, qui est l'outil des cartes heuristiques. Hein, et il me semble que cette manière de représenter les choses, elle est particulièrement efficace puisqu'elle peut permettre à des étudiants, à des internautes de cerner une thématique et du coup d'enclencher un cycle de veille, non plus d'avoir une réponse simple à une question précise. Réponse simple à une question précise, ça aussi, c'est de l'accompagnement, c'est de la médiation. Et on constate hein, souvent,
qu'on constate en ce moment une flambée en fait, des inscriptions sur Google+, hein, le nouveau réseau social de Google. On est à 700 millions d'utilisateurs sur Facebook. Une des questions qui se pose, c'est est-ce que cette croissance va continuer de manière indéfinie et quel va être l'avenir des médias sociaux en termes de contenu ? Une des réponses, elle est apportée par une nouvelle fonctionnalité de Facebook qui est le fait de pouvoir poser une question et donc attendre une réponse à une communauté, la communauté de ses contacts sur Facebook. Et on passe, vous voyez, d'un réseau social où on échange des contenus à un réseau social où on peut avoir des conseils de navigation. Et ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait une voie d'avenir pour les services documentaires de manière large. C'est déjà expérimenté depuis de nombreuses années dans un service qui s'appelle le Guichet du Savoir, qui est un service de la Bibliothèque de Lyon, et qui propose la chose suivante. L'internaute s'inscrit, pose une question et obtient une réponse d'un bibliothécaire en 72 heures maximum. L'idée est donc de replacer la compétence d'orientation dans les contenus du bibliothécaire avec des moyens numériques. Ici, on est sous un outil qui est une sorte de forum, un forum amélioré. Et donc, toutes les questions et toutes les réponses sont publiques. Ce qui peut paraître anecdotique, mais qui en fait est fondamental, puisque ça permet d'entraîner un effet de réseau, au sens où je suis internaute, je vais voir les questions qui ont été posées, voir le type de réponse qui a été apportée, et pouvoir donc me positionner, et puis peut-être poser à mon tour une question. Ce modèle-là, il est intéressant et il implique la construction d'une identité de service, qui est donc le quatrième type d'identité numérique que j'évoquais, et qui s'exprime ici via un service de questions-réponses à distance qui s'appelle UBIB, et on communique donc non plus sur le bibliothécaire lui-même, non plus sur l'institution, non plus sur le média, mais sur le service rendu, et donc on va avoir à porter ce service sur Internet. C'est ce qu'on a commencé à faire avec notre service de questions-réponses qui s'appelle BiblioSésame, qui est donc coordonné par la BPI et qui regroupe une vingtaine de partenaires en France qui répondent donc aux questions. Et le contrat est le même que pour le guichet du savoir. Vous posez une question, vous avez l'assurance d'avoir une réponse qualifiée en 72 heures maximum et bien sûr de manière gratuite. La question qui s'est posée à nous, c'est nous avons cette marque, hein, BiblioSésame, comment faire pour la faire connaître sur les médias sociaux ? Est-ce qu'on communique sur la marque elle-même ou est-ce qu'on va plus loin et on utilise le potentiel des médias sociaux pour faire de la médiation, pour faire de l'accompagnement ? Et c'est cette solution-là que nous avons choisie en transposant le service directement dans Facebook et donc en créant un groupe Facebook BiblioSésame adapté et qui utilise donc l'environnement proposé par ce média social. Nous avons donc un groupe dans lequel nous rendons le service, hein, il faut s'inscrire dans le groupe, poser sa question et la réponse arrive directement dans Facebook. Et nous avons une page sur laquelle nous allons communiquer sur l'existence de ce service à l'intérieur même du réseau Facebook. Évidemment, nous avons une identité de réseau et une identité de personne ressource. Hein, on revient à un type d'identité que j'évoquais tout à l'heure, où on identifie le partenaire, ou en l'occurrence le bibliothécaire, qui va répondre à la question. Et nous tenions tout particulièrement à avoir des visages humains et non pas un logo pour être en phase avec les codes de l'Internet tel que je l'exprimais tout à l'heure. La procédure est assez simple. Je suis internaute, je m'inscris dans le groupe, je reçois une confirmation d'inscription, je pose ma question et j'obtiens une confirmation que la réponse, enfin que plutôt la question a bien été prise en compte par un bibliothécaire et ensuite donc s'ouvre le délai en quelque sorte des 72 heures et la réponse arrive en général avant dans la quasi-totalité des cas. Ce qui est intéressant ici, c'est que le bibliothécaire propose un dispositif d'accompagnement, un dispositif de médiation, en l'occurrence des questions et des réponses, mais ça commence à aller au-delà,
puisque on est sur Facebook, c'est une place publique, c'est ouvert, on n'est pas dans un système proposé par l'institution, et donc d'autres internautes peuvent intervenir pour enrichir la question, rebondir sur la réponse du bibliothécaire, contredire la réponse du bibliothécaire, et donc on voit bien que si on veut être efficace, il faut accepter en quelque sorte les codes de l'Internet, et donc s'exposer en tant que professionnel à des remises en cause qui parfois peuvent poser problème. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, mais le service est encore très récent puisqu'on l'a lancé au mois de juin dernier, donc c'est tout à fait nouveau encore. Avec aussi une inquiétude, c'est celle du flux des questions qui est susceptible de poser problème. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas encore. Intéressant aussi, par rapport à l'usage que peuvent avoir les professionnels de l'information de ces médias sociaux, c'est le groupe interne qui du coup renforce la communauté des bibliothécaires qui répondent et qui du coup répond aussi à l'objectif de favoriser donc l'échange d'informations entre les différents bibliothécaires qui ont donc chacun leur spécialité. Une des questions qui inquiète beaucoup les bibliothécaires quand je présente cette initiative, c'est celle de savoir le devenir des questions et l'archivage des questions. Et donc effectivement, ces questions sont archivées directement dans une base de connaissances pour constituer un contenu donc, qui peut être retrouvé par un moteur de recherche. En termes de dissémination, il est aussi important donc d'utiliser les moyens mis à notre disposition par le réseau Facebook. Et donc nous avons créé des widgets propres à la page et au groupe et nous les proposons au site de bibliothèque. Vous voyez qu'on est dans une médiation qui est globale et j'ai pas d'image ici pour vous le montrer, mais on réfléchit aussi à la manière dont on peut rendre tangible dans le lieu qu'est la bibliothèque. Un type d'accueil qui serait lié au réseau BiblioSésame. Du coup, l'idée, c'est de capitaliser en quelque sorte sur la marque, sur l'intérêt que les gens portent à ce service, pour en faire quelque chose qui soit efficace, y compris à l'intérieur des bibliothèques. Voilà pour un dispositif qui est un exemple, parmi d'autres, de dispositifs interactifs de médiation. On en a d'autres qui sont plus liés aux collections, alors pas directement à la Bibliothèque publique d'information, mais par exemple à la Bibliothèque nationale de France. Vous avez des expériences qui sont tout à fait intéressantes et que je vous recommande d'aller voir autour de Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, et qui propose donc des fonds extrêmement riches. Et plutôt que de se contenter de proposer ces différents sites, enfin ces différentes données, pardon, elle a créé une communauté autour de Gallica en donnant un nom aux gens qui réutilisent ces informations. Elle les a appelés les Gallicanautes. Et les Gallicanautes, ce sont donc les gens qui vont se trouver valorisés par l'usage qu'ils ont de tel ou tel document de cette bibliothèque numérique. Et il y a ici un point qui me semble important en termes d'animation de communauté, parce qu'on est dans ce secteur-là pour le coup. C'est donc l'idée de valoriser non pas seulement les contenus qu'on produit, ni même uniquement les services qu'on rend, mais de porter un regard sur la manière dont ils sont utilisés. Et c'est vraiment l'idée de valoriser non pas les documents, mais l'usage fait de ces documents par les internautes. Voilà qui me semble tout à fait essentiel. En termes de création de contenu, quelques exemples continuer dans cette voie-là. En termes de dispositifs interactifs, il est tout à fait aussi possible, dans les bibliothèques en particulier, de faire en sorte que cette création de contenu, elle se développe avec les usagers eux-mêmes. Et on a une déperdition de critiques de livres, d'avis engagés sur les livres, à partir du moment où on ne fait pas l'effort en tant qu'organisation de récolter ces contenus-là et de pouvoir les réutiliser à d'autres fins. Je vais vous donner un exemple qui sera plus concret. À la bibliothèque où j'étais auparavant,
On avait proposé donc la création de critiques de livres aux bibliothécaires. On avait commencé par les bibliothécaires. L'idée, c'était que cette création de contenu, elle trouve une expression tangible à l'intérieur de la bibliothèque. Le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'est un moyen qui n'est pas du tout numérique, mais qui est bien concret, c'est celui de coller des étiquettes de critiques sur les livres et les CD et les DVD de la bibliothèque. Et pour vous montrer qu'à partir du moment où on crée des contenus, le numérique permet d'envisager les choses d'une manière globale. Les bibliothécaires créent un contenu dans un wiki. J'avais mis en place un wiki et donc je les avais formés à écrire cette information dans un wiki. Et ensuite, il s'enclenche un cycle de publication. Et donc ces contenus, cette matière première qui est créée par les bibliothécaires, créée par les médiateurs, elle peut être réutilisée sous différentes formes. On avait créé des bibliographies, on peut insérer ces contenus dans le site internet de la bibliothèque, on peut faire un blog sur une thématique, on peut créer un fil Twitter à partir de ces mêmes contenus et à partir du moment où on a des identités numériques qui sont stabilisées, qui sont identifiées. Mais un des moyens aussi de le faire, c'est donc à l'intérieur du lieu de la bibliothèque. Et il nous semblait tout à fait intéressant et motivant pour des équipes de voir leur contenu directement inscrit, collé sur les livres, sachant aussi que si on est capable de motiver des bibliothécaires à écrire des contenus, on est aussi capable de motiver des lecteurs ou des groupes de lecteurs à faire la même chose et donc à les inciter à disséminer ces contenus de différentes manières. Et donc j'espère que vous comprenez mieux l'aspect un petit peu global de ces projets projets de médiation, au sens où il ne s'agit pas simplement de produire du contenu, mais il s'agit de penser des liens en fait, et des articulations entre des dispositifs de médiation. Voilà. Et pour finir, hein, j'aime bien citer quelques exemples de réseaux dans lesquels, en fait, de réseaux sociaux dans lesquels les gens font l'effort d'écrire des critiques. C'est l'exemple de Sens Critique, justement, qui propose aux internautes de créer leur collection personnelle de contenus liés donc à des objets culturels qui sont donc des livres, des CD, des DVD ou des jeux vidéo. On a un succès hein, de ce genre d'initiative qui montre que la médiation, elle doit passer aussi par le fait de favoriser hein, l'expression et l'appropriation des internautes par rapport aux objets culturels. Autre exemple, hein, celui de WeRead, qui est actif essentiellement sur Facebook et qui permet donc de proposer des recommandations. Peut-être on pourrait prolonger un peu cette réflexion, ces exemples, en soulignant le fait que ces réseaux sociaux, en termes de recommandations culturelles, de bouche à oreille, ils fonctionnent d'autant mieux que les groupes de recommandations sont ciblés, sont thématiques et sont propres à une communauté d'intérêt. Et ce qui est extrêmement difficile à faire comprendre en fait, à des gens qui n'ont pas ces usages-là, c'est comment rentrer dans ce genre de communauté d'intérêt à partir d'un centre d'intérêt. Et il me semble que la clé, elle est là, et la clé de la médiation, elle est ici, c'est-à-dire de faire le lien entre un centre d'intérêt exprimé et des usages, des sources qui peuvent se déployer sur le web. C'est quand vous arrivez sur Twitter, la première chose que vous vous posez comme question, c'est qui suivre. On doit être capable, en tant que médiateur, sur des sujets sélectionnés, de répondre à cette question-là. Pour conclure, la bibliothèque comme entrepôt est morte, et la bibliothèque devient un hub. Un hub au sens vraiment, alors les anglo-saxons disent community hub, et la bibliothèque comme hub, ça me semble une voie tout à fait importante, aussi bien donc dans le lieu qu'à l'extérieur du lieu, sur le web, ou en réalité ambiante, ou en réalité contextuelle, en quelque sorte. Autrement dit, on a des éléments extrêmement importants à prendre en compte. À la base du web, c'est l'hypertexte, c'est le lien. Faire du lien, voilà. La question de l'attention,
qu'est-ce que je pourrais proposer comme expérience du web, comme expérience de la bibliothèque à des internautes? Et la question de la propulsion, comment est-ce que je suis lisible dans le web de l'information, dans cette profusion d'informations, et comment est-ce que on m'accorde de la confiance, hein, ça c'est une autre clé, à partir du moment où je suis lisible et ciblé, je peux générer de la confiance, et c'est à ce moment-là que je deviens un médiateur efficace. Voilà, bibliothèque comme hub, encore des images là pour le coup de la bibliothèque d'Amsterdam, hein, qui est une des plus belles bibliothèques qui exprime le mieux, à mon avis, ce concept-là de hub. Voilà. J'ai terminé. Merci pour votre attention et je suis ouvert à des questions. Je vais prendre les outils de traduction. No sé ya a estas horas si tenéis preguntas, comentarios. Pues si no hay, muchísimas gracias. No vamos a dedicarnos ahora un cuarto de hora a hacer un resumen de lo que hemos oído y aprendido hoy aquí. Y nos reunimos mañana a las 9:15 de la mañana. ¿Eh? Si os parece. Y Esker, muchas gracias.